semaines qu'on est stationné dans l'amas de Thion. À ce rythme-là, la guerre sera finie, on n'aura pas vu une seule bataille. Une guerre ne se gagne pas en un jour, Anakin. Maître Windu sait ce qu'il fait. En attendant, il ne se passe jamais rien ici. Ça, c'est ce que tu crois. Regarde tes senseurs, plusieurs cibles viennent de quitter l'hyperespace. Dans ce cas, on y va. Anakin, attends. On devrait appeler des renforts. Anakin ? Anakin ! Vous aviez raison, maître. On devrait appeler des renforts. Il est trop tard maintenant. Ils nous ont repérés. Tout ce qu'on peut faire, c'est arriver avant eux et alerter la population. Qu'est-ce qu'ils font par ici ? Il n'y a rien dans ce secteur. J'ai analysé la trajectoire de la flotte. Elle se dirige vers Renvar dans le système Navali. Si on se dépêche, on peut arriver avant eux. Il y a un avant-poste de la République là-bas. Ils ne pourront jamais résister une telle armée. Il faut les évacuer. Séparatistes à quelques kilomètres d'ici. Nous ne pourrons jamais résister à leur puissance de feu. Il faut absolument évacuer la planète. Bien reçu, commandant. J'ai fait venir des transports pour évacuer vos hommes. Ils ne devraient pas tarder. Anakin, je vais à la base pour préparer l'évacuation. Il y a une station de communication à l'ouest. Prends cette canonnière et récupère tous les hommes qui attendent là-bas. Assurer leur protection.
escadron de chasseurs ennemis se dirige vers toi. Ouvre l'œil. Bientôt là, mais il y a un sanctuaire Jedi au nord, coincé entre notre position et l'armée séparatiste. Tu dois secourir les Jedi qui s'y trouvent et les ramener avant l'évacuation. Base est prise pour cible. Il nous faut des renforts.
Anakin, tu dois nous aider à défendre la base. Reviens tout de suite. Le premier transport est parti. Le deuxième va bientôt décoller. Obi-Wan, prends quelques soldats et va sur Raxus Prime. On nous a signalé des activités séparatistes dans le système. Raxus est un monde perdu, sans aucune importance stratégique. Que pourrait-il faire là-bas? C'est exactement ça qu'il nous faut découvrir. Sur cette planète, de nombreux secrets anciens il y a. Maître, je suis sûr qu'Obi-Wan et moi serions plus utiles à Mirgoshir. Anakin. Ambitieux il est. Je comprends ton impatience, jeune Padawan. Mais ce ne sont pas deux Jedi de plus qui pourront renverser la situation à Mirgoshir. En revanche, si vous pouvez découvrir les intentions de Dooku sur Raxus, cela nous permettrait d'éliminer une menace potentielle avant qu'il ne soit trop tard. Anakin, tu viens avec moi. Les autres, attendez-moi ici. Inutile d'alerter l'ennemi tant que nous ne sommes pas prêts à frapper. Nous savons que les séparatistes sont sur cette planète. Mais où exactement? À cette altitude, on ne trouvera rien. Tous ces débris brouillent nos senseurs. Tu as raison. Essaie de te poser, on va jeter un coup d'œil. Qu'est-ce que les séparatistes feraient ici? Je n'en ai pas la moindre idée. Ce qui est sûr, c'est qu'ils ne tiennent pas à ce qu'on le sache. Des intrus, rentrez à la base. Anakin, ces STAP ne doivent pas nous échapper. S'ils atteignent leur quartier général, nous perdrons l'élément de surprise. Je m'occupe de ces deux-là.
deux. Bien joué, Anakin. J'ai découvert un vaste chantier. Apparemment, les séparatistes cherchent quelque chose dans le sol. Je ne sais pas ce que c'est, mais nous devons les stopper. Prépare les troupes pour le déploiement et envoie un message à Maître Windu. Dis-lui que nous aurons besoin de renforts. Nos éclaireurs ont repéré trois convois de ravitaillement qui se dirigent vers le chantier. Pourquoi on n'attaque pas le chantier au lieu d'attendre? Tout le temps que nous perdons profite au Count Dooku. Patience, jeune Padawan. Nous devons attendre l'arrivée des renforts. On doit pouvoir faire quelque chose. En effet. Nos éclaireurs ont trouvé le site idéal pour une embuscade. Si nous détruisons le convoi, nous aurons une sérieuse option sur la victoire. Avec un peu de chance, nous garderons l'élément de surprise. Suis-moi. C'est pas trop tôt? J'ai pris la liberté de modifier les commandes de votre char, pour que vous puissiez donner vos ordres. Vous n'avez qu'à utiliser le bouton multidirectionnel de la manette. Chaque direction est associée à un ordre. Si vous voulez que j'attaque cette tourelle, par exemple, appuyez sur la direction haut quand la cible est active. Surprise.
convois se séparent. Ils savent qu'on est là. Il faut les empêcher d'atteindre les champs de force. Voilà une affaire réglée. Commandant, un message du quartier général. Les renforts sont sur place. Parfait. Nous pouvons donner l'assaut. Chantier. Je n'ai pas la moindre idée de ce que cherche Doku, mais nous devons l'empêcher de l'obtenir. Revoyons notre plan. On escorte la colonne principale sur le front pour percer leur défense. Les renforts nous rejoignent et nous couvrent. Et on se retrouve au chantier. Maître, les éclaireurs séparatistes attaquent nos troupes. Vous devez les aider. Sur la colline, des chars d'assaut! D'autres chars, à droite! Maître, on va essayer.
essayer de se frayer un chemin entre ces épaves. On ouvre le feu! Maître, attention, c'est un piège! Il y a des tourelles derrière l'épave, on doit les détruire! De la base. Nous ouvrons une brèche dans le mur. Maître, ça grouille de chars et de droïdes araignées ici.
Le passage est trop étroit. La colonne ne peut passer qu'en file indienne. Qu'est-ce qu'on fait? Je passe devant et je fais le ménage. D'accord. Je reste ici avec le convoi et je garde l'entrée. Devant. Pour le neutraliser, il faut détruire la grue. La grue est protégée par un épais blindage, mais ses citernes de carburant sont vulnérables. Il y en a deux, une de chaque côté. Il faut les détruire. Les renforts ne sont pas loin. Ils attendent derrière le portail d'un champ de force. Pour qu'ils puissent progresser, on doit désactiver le générateur situé de l'autre côté du complexe. Une fois le générateur détruit, ils viendront nous donner un coup de main. Je ressens quelque chose d'étrange. Dooku. Anakin, attends! C'était un peu trop facile. C'est...
Je ressens quelque chose d'étrange. Ce n'est pas normal. Il savait que nous allions venir. Si Dooku s'est finalement montré, c'est pour qu'Anakin le suive. J'ai un mauvais pressentiment. Vous allez payer pour ce que vous avez fait. Ah, jeune Skywalker. J'ai senti ta présence. Tu seras le premier à essayer le petit cadeau que je destine à la République. Je suis impatient de connaître ses effets sur un Jedi. Enfermez-le avec les autres. Où suis-je ? En prison, comme nous tous ici, en attendant la mort. Tu es un Jedi, je me trompe ? Waouh ! J'ose à peine imaginer les effets du catalyseur de force sur toi. Le catalyseur de force ? C'était donc ça que Dooku cherchait sur Axus Prime. Ouais. T'as tout compris. C'est une vieille relique qui absorbe la force des êtres vivants. Dooku l'utilise comme source d'énergie. Mais je ne sais pas à quoi il la destine vraiment. Comment se fait-il que tu en saches autant ? Sans moi, le mercenaire Sidon Prax ne l'aurait jamais trouvé. Quoi ? Bah, il faut bien gagner sa vie. Et puis j'étais bien loin de me douter qu'en récompense, j'allais finir dans ce trou pour alimenter ce truc. Est-ce que tu sais où il nous emmène ? Dans le système Kashyyyk. Sur Alaris, je parie. Tout ce qu'il y a là-bas, c'est une colonie de Wookiees et des animaux sauvages. Cette planète est loin de tout, alors ils peuvent mener leurs expériences à l'abri des regards. Ça, c'est ce qu'ils croient. Ton sabre laser ne te servira plus à rien, jeune Jedi. Je sens la colère monter en toi, Skywalker. C'est dommage. Vraiment dommage. J'aurais pu t'apprendre à utiliser ta haine d'une façon que tu n'imagines même pas. Rendez-moi mon sabre, et vous verrez ce que je peux faire de ma haine. Ton audace sera récompensée. Tu seras le premier Jedi à subir les effets du catalyseur. Je vais absorber ta force et celle de cette forêt. Grâce à cette énergie, je vais enfin pouvoir détruire cette république que tu cherches en vain à défendre. Sidon. Je veux que tu actives le catalyseur dès que j'aurai décollé. Une fois la forêt rasée, extermine les Wookiees. Il ne doit y avoir aucun survivant. Bien, maître.
retour de Jedi dans mon sac. C'est le moment ou jamais. Je croyais que les Jedi faisaient appel à la Force dans les cas d'urgence. Thank you.